Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Akai et on se retrouve pour le début d'un nouvel épisode sur Heart of Iron 4 avec la France. Donc comme vous pouvez le voir, la dernière fois on s'est dit... je me suis dit que j'allais m'ennuyer un petit peu, donc j'ai... J'ai choisi de me rallier, comment dire, avec... avec le Danemark, voilà, de les mettre dans la faction. Et je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont dire, ouais, viens mon aide, s'il te plaît, je vais attaquer par les Britanniques. Bien sûr, s'ils me le disent ça, moi je leur dis tout de suite oui, hein, bien sûr. Ils n'ont pas l'air de vouloir... Vous voulez pas que j'entre en guerre avec vous? Vous voulez que je vienne... Est-ce que vous voulez que je vienne... Non? Belgique a besoin des alliés. Oh, ça pue. Eh ben on explosera les Belges et puis ben les Luxembourgeois en même temps. Voilà. Ce qu'on va faire c'est simple, ça va être... Puis bon, rejoindre les alliés, ouf. Ça proque un peu du fion, on va dire. J'ai pas une armée qui se glande ou qui se tripote un petit peu là, la nette. Si, il y a ceci là. Qui ne sert strictement à rien. Donc on va leur dire, vous devez venir à la frontière belge. Et si les Belges tentent quelque chose contre nous. Le Brésil rejoint les alliés. Oh putain, ça fait chier ça. Y'a qui d'autre qui a rejoint les alliés? La Suisse. La Suisse a rejoint les alliés. Non mais c'est rejoint comme concept hein. L'Espagne républicaine s'est barrée de la faction polonaise. En mode pupute. Putain les mecs. Je vous jure. Les mecs se sont barrés de la faction polonaise. Voilà. On va attendre un petit peu, voilà. Sérieusement. Vous croyez ça quand même? Ces gars d'en face là se disent oh, c'est bon, on se casse nous. La Hongrie, tu peux venir dans la faction? Et ce qu'il faudrait, c'est que je réussisse à mettre les États-Unis dans ma faction. Moins 12. Mais oui, c'est même pas, ouais. Je pense que quand je lancerai la guerre... Il y a beaucoup de pays qui s'aiment pas. C'est roumain, ouais. Et ça c'est l'armée de... D'où? Ouais, c'est l'armée là. Vous allez vous foutre ici, les gars. Vous êtes tous, vous êtes là. Pourquoi? Parce que je vais, j'ai pas envie d'attaquer la Pologne pour le moment. Et si jamais il faut que je défonce les Hollandais, ce sera plus simple. Et puis la Pologne qui annule le pacte de navigation avec moi. La Pologne, si vraiment elle tente un truc, j'hésiterai pas. Hein. Je veux dire, j'explose les trois clans par là. Si je remets mon armée à la frontière polonaise, elle tente un truc, je l'explose. Et s'il faut bouffer toute sa faction de merde à la Pologne, je le ferai. Sans déconner, je le fais. Et cette fois-ci, je veux dire, les pays comme l'Espagne là qui m'ont cassé les pieds, honnêtement, je veux dire, cette fois, la première fois, c'est pas juste cette réaction totale, hein, je veux dire, hein, je vais pas vous mentir. On va se préparer, voilà, là c'est le fun qui commence, là c'est le gros fun. Ah oui, c'est vrai que j'ai une armée ici qui est au sud de la côte de l'Iran, qui sert absolument à rien. T'as le Japon. T'as pas un poste de navigation? Non, tu veux pas? Merde.
Bon, nous, ce que je vais faire, c'est que on va s'éclater ici. On a recherché ça, donc on va construire quoi, nous? De son terrain, j'ai tout, artillerie. Est-ce que je peux pas avoir de meilleure artillerie? Non. Pour les chars, les blindés, non, j'ai tout. Bâton de soutien. On va faire du soutien. Voilà. Pour la construction, ce qu'on va construire, c'est qu'on va construire des jolis petits sites de fusées. Et en Bretagne. Les gentils vont vous là. Voilà. Et on commence à pro et on produira bah, après les. Je trouve pas de chasseurs embarqués ni. C'est pas grave. Ils sont les. Ah, il faut avoir construit le site de lancement de fusée pour pouvoir bâtir les. Merde, comment ils s'appellent les. Bah, les missiles. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre tranquillement. On est bien placé. Allez, entrez en guerre. Vous voulez que je vienne vous à votre côté, les gars? Bim! Allez, voilà, on envahit. Chut. On galère un petit peu contre les. Putain, les bris. Oh, les bâtards! Bâtard de russe. Très simple, le plan ça va être. Le plan va pas se fouler, ça va être. Non, ça va être. Hop, on va revenir comme ceci. C'est super, moi je sais, je m'en fous. Honnêtement. Allez, on va reprendre Moscou et. Leningrad, une fois qu'on a fait plier la Russie. On va gentiment faire plier ces guignols là. Ah oui, ceux-là ici là. Faut oublier ceux-là, nos chers amis. Et voilà, on envahit. Très bien. Faut qu'on réussisse l'invasion. Une fois qu'on a fait plier les British. J'ai pas besoin de vous correctionner, les gars. Soit vous rejoignez ma guerre, soit vous vous cassez. Alors, ici. Et vous allez pousser. Jusqu'à Bruxelles en vert, comme ça. Hop, vous me poussez comme ceci. Allez, Schnell. Luxembourg capitule, c'est très bien. Il faut me pousser là, faut vraiment que vous poussiez les gars. On va exploser un petit peu tout ça. L'Espagne. Je vous assurais que. La guerre, qu'est-ce qu'il faut faire capituler? C'est qui vous faire capituler? Roménie, Rage et la Russie, putain. Une fois qu'on a fait capituler Roménie et qu'on aura pris exploser la Russie une fois de plus, encore une fois, je me focuserai sur le Rage britannique. Le Rage britannique, ça faut vraiment faire capituler. Équipement mécanisé 2, très bien. J'ai plus de recherche ici, on va faire un petit peu comment dire de. Arme légère améliorée 3, voilà, on va pas s'embêter. Il faut absolument mettre ça. Pour les lignes de production. Équipement mécanisé 1. Tu vas être gentil, c'est du 2 maintenant. Et on va en plus faire un peu de business. Acheter du pétrole parce que c'est plus d'américains en vendent à tout le monde de toute façon ils font du business avec tout le monde. Allez, ici on va bientôt gagner dans quelques jours.
Là, ici, vous allez me faire une jolie petite poche ici. Vous allez me faire une stratégie tentacule. Il faut que ce soit pire qu'un hentai. Alors, honnêtement, on bouffe les Hollandais et les Belges. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on retourne foutre nos troupes à la frontière polonaise. Une fois que c'est fait, hop, on explose les Britanniques. Quant à l'Espagne, je veux l'avoir pulvérisé aussi, ce pays-là. Non, c'est les rouges ici aussi. Le Pérou veut envoyer des volontaires. S'ils veulent se sacrifier pour moi, les Péruviens, allez-y. Donc là, Belgique capitule, c'est très bien. Donc l'armée belge ici va se grouiller de prendre le reste du pays. Ah bah, la Norvège a fait face à la faction. Le Royaume-Uni déclare la guerre à la Norvège. Ah, et on a débarqué ici, donc on va se faire encore un Sea Lion. Comme avec MacIntyre, mais sauf que c'est la partie MacIntyre avec les Girac aussi. Cette partie multi était épique, sauf que là, honnêtement, c'est quelque chose de violent là. Vous assurez que. On va prendre Londres, vous allez voir. Faut qu'on ait quelque chose de tellement cher dans, dans le cul là, ces connards de British. Regardez-moi ça là, on s'étend tranquillos. La Suisse elle a quasiment aucune chance. On va la violer la Suisse comme une. Comme une prostituée. On va forcer la Suisse à. Voilà. L'armée ici qui glandait. Côté Pays-Bas, hop. Vous êtes gentil, vous venez par ici. Pays-Bas capitule, grande nouvelle, c'est très bien. L'armée hollandaise ici. Enfin, l'armée qui était ici, on va la refoutre à la frontière avec la Pologne, parce que je n'ai aucune confiance dans les Polonais. Hein. Je les connais, les Polonais. Par devant, ça vous fait des grands sourires, par derrière, ça vous en. Voilà. Et là, je sais pas ce qui se passe, il y a un débarquement qui est prévu par qui? La Grèce. Oh, putain, ils ont pas peur, les Grecs! Ils ont pas peur du tout, les Grecs! Bon, je fais becter ici par les Britanniques, mais bon, honnêtement, je veux dire, on les fera tomber sur le continent, ça ira très bien. Enfin, sur leur île à la con. Les Espagnols, hop. On va gentiment progresser par ici. Ici, choc et effroi, très très bien, nouvelle doctrine intéressante. Ceux que vous êtes ici, on va vous déplacer hop, par ici, en Italie. Comme ça, hop, on vous mettra sur la frontière italienne. Ici, par contre, là, on va faire ce qu'on va faire, c'est qu'on va éclater ces petites poches. Et qu'on va gentiment essayer d'exploser ce qu'il y a ici. On va prendre Cardiff. Le Pérou m'a envoyé une division. C'est épique les Péruviennes. Oh, on n'aura jamais gagné la guerre sans l'aide du Pérou. Oh là là. Oui, je dis on n'aura jamais gagné la guerre sans le Pérou parce que bon, bah, je sais qu'il a déjà gagné dans les faits. Hein. Et vu que c'est con là, ils ont dégagé Liverpool parce qu'ils veulent charger sur la ligne de front, nous on va percer. La meilleure solution c'est de les appâter, de les attirer et de percer. Si j'avais en plus à faire une belle poche ici à isoler tout ça, parce qu'il y a plus de. Si je prends Liverpool, il n'y a plus de port. Hein. Ici, le Pays de Galles, il n'y a pas de port. Parce que j'ai pris Cardiff. On va les choper sur le côté comme ça. Hop.
On va faire un bel encerclement. Ils vont tellement rien comprendre, les pauvres britanniques. Je vais me faire plaisir. La Grande-Bretagne, là, ouf, on va la défoncer. Je crois qu'ils vont regretter un petit peu d'avoir attaqué le Danemark. On va chercher le canon anti-char. Non, ça sert à rien le canon anti-char, je suis con. Il faut diviser mon soutien parce que j'ai blindé mon soutien, moi. Voilà. La Russie, on perce. Bon, la Russie, je vais me faire plaisir, je vais la bouffer, je vais la dépecer. J'étais gentil une fois. Ben, ça va être là cette fois-ci, ça sera la boucherie. Hein. L'armée d'Espagne ici. La France qui. Ouais, je sais, je joue la France démocratique, je sais, mais bon. Pour la France démocratique, c'est pas parce qu'elle est démocratique qu'elle va cesser de marcher sur les pieds quand même. La Suisse, on peut la tabasser ou pas? Ouais, elle va continuer à se faire défoncer. L'Espagne capitule, très très bonne nouvelle, voilà. On va l'achever, l'Espagne. Les attaques portuaires, les attaques de convoi, je m'en fous un peu, je peux vous mentir. C'est une d'Alsace, putain, j'en ai rien à foutre de cette escadrille. Elle sert à rien cette escadrille. Inde du Nord. Après, faut que je trouve un moyen de débarquer en Inde. Putain. Je vais me faire défoncer, je me fais défoncer ici, je me fais bouffer par les Britanniques, ils bouffent mes colonies. Libéria et compagnie aussi, ils en, le font. Putain, regardez-moi tous ces crétins là qui débarquent là. Ils ont un accès militaire, là. Je sais même pas ce qu'ils foutent. Je sais même pas ce qu'ils font. Je comprends pas. Bon, on a bouffé Gibraltar, c'est déjà une bonne nouvelle. Moi, c'est-à-dire que vu qu'on a bouffé Gibraltar, on bloque la Méditerranée. J'essaie de bouffer les Britanniques ici et de rejoindre ma base de Djibouti pour pouvoir débarquer dans le rage. Si j'ai réussi à leur prendre le canal de Suez, ce sera une bonne nouvelle. Je vais essayer de faire ça. De leur reprendre le canal. Les Norvégiens là qui se font envers par les Britanniques. Là sérieusement c'est quoi ce délire? Romini, il va bien capituler là. Suisse capitule. La Russie, elle. Elle est prête à capituler. Elle a 80% des points de victoire. Elle tient encore la Russie. Hein. En fait, j'ai lu une offensive, on fonce sur Glasgow et après on défonce. Une fois qu'on a défoncé les Britanniques, on fait un petit coup sur l'Irlande. Là, on va achever les dernières unités ennemies. Et on traverse la Méditerranée pour prendre Suez. Je vais essayer d'écraser les petites poches ici pour me débarrasser de tout ça. Ma priorité ça va être de bouffer ça, histoire de pas avoir de trucs sur mon dos. De bouffer Suez et après de stabiliser ouais, parce que limite je veux dire, même si je fonce pas ici, que je m'arrête là, si je sécurise juste la partie comme ceci, ça me convient, le sud j'annexerai ça au traité de paix. Bon, on va rechercher les réacteurs nucléaires, on va chercher les bombes nucléaires maintenant. Et on va en construction, qu'est-ce qu'on va construire? Parce qu'on se fait un peu chier là pour la construction. Réacteur de type nucléaire, voilà. Ah bah oui, on va jouer de la fusion nucléaire, hein, on est pas fou. Revenu capitule, très bien, un de moins.
Bon, j'ai quand même terminé les projets que j'ai déjà mis en place, hein, histoire de se tranquille. Nous, ici, on lâche. Donc, vous qui vous faites chier, ici, vous allez débarquer, enfin, j'ai un petit débarquement ici. Voilà, et puis après, on achèvera l'Irlande. Hop! Je veux dire, là, honnêtement, c'est vraiment la belle. Tous ces casse-pieds. Il y a des volontaires japonais qui nous ont rejoints. Les Belges, là, je sais pas ce qu'ils foutent. Honnêtement, je veux dire, mettre une frontière ici, comme ceci, là, pour bloquer ça. Comme ceci, ça conviendrait. Je veux dire, même si je perds ici le sud, je m'en moque un peu. Hein. Ce qu'il faut, c'est vraiment essayer de tenir ça pour virer ça qui est dans mon dos. Prendre Suez. Et hop, une fois qu'on a pris Suez, et les trois que je contrôle déjà, débarquer sur le Raj. Et le Japon, il devrait pas nous faire, je sais pas, un petit. Putain. Ça, j'ai des troupes là, moi. Putain, je suis con, j'ai des troupes ici en Indochine. J'ai un accès avec le Raj. Je suis teubé, moi. Alors, je suis débile. Bon, en tout cas, vous ici, vous bougez ici, vous traversez ça. Bon, c'est cool, les Britanniques ont fait une belle ligne de front ici, ce sera beaucoup plus facile pour moi. Du coup, vous traversez, les gars? Voilà, c'est bien. J'ai combien de convois? J'en ai 895. Genre bientôt les 1000 convois que le monde d'achievement. Hein. Je veux dire, les mecs, vous êtes à côté d'une base navale, vous avez même pas la présence d'esprit de faire, de vous bouger sur la base navale. Ça c'est chiant, je veux dire. Que l'ordinateur dise, ouais bah ils sont pas sur la base navale, ils sont de la province juste à côté, donc ils y vont pas. Il faudra un petit peu automatiser ça. Ils ont pas rejoint ici. J'aimerais bien qu'ils rejoignent ici, qu'ils me prennent le petit bout ici, là. Comme ça, pour une raison simple. Non, c'est pas pour leur laisser, non. C'est parce que comme ça fera une ligne de front unie. Ah, ici, en tout cas, ils ont perdu la petite bande, ici, la Gambie. Ils ont toujours pas avancé au Soudan. Ils ont pas avancé sur le Tchad. Ce qui est un peu stupide. Ils bougent un petit peu par ici, oui, c'est vrai. On bouge à la Fédération de Russie, nous. C'est très bien. Là, il y a Tula et Moscou qui est beaucoup plus au nord, mais bon. Là, par contre, il perce un petit peu, il me perce ici, là, la province de l'Oural. Et les Japonais quand même qui luttent hein, contre les Russes. Hein. Ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'il est prêt quand le débarquement 70 jours. Putain. Je prends une nouvelle décision. Qu'est-ce que je vais prendre? Logistique, oui, ça peut être intéressant, effectivement. Priorité nationale, qu'est-ce que je veux que je prenne comme priorité nationale? Doctrine navale, ah oui, je pourrais faire les fortifications, oui, pour les forts alpins, c'est vrai. Bon, ça servira tellement plus à rien maintenant, puisque bon, il y aura plus de Belgique. Maintenant, vous qui vous êtes tous débarqués, vous allez descendre vers le sud, vous allez faire une ligne de front. Pour but de me bouffer. Non. Vous prenez tout ça, les gars. Hop. Et vous courez, vous grouillez. Vous traversez l'Afrique. L'armée ici qui fout plus rien en Suisse. Elle va se déplacer
Vous allez déplacer également en Afrique, je vais en mettre une deuxième en Afrique. Vous allez à Marseille. Parce qu'il y a ceux-là, vos copains là, avec, ici qui vont prendre le sud, le Libéria et tout. Vous allez vous déplacer par ici, vers l'est, pour prendre l'Égypte. On va remonter vers la Syrie. Ça, on isolera tout ça, on y aura l'Arabie qui servira d'état tampon. Et une fois qu'on sera là, on foncera ici, et on rushera sur le Raj. Moi, ça me paraissait un bon plan. Le plan me paraît joli quand même, je trouve. Deuxième République brésilienne. Il reste la Russie qui, quand même, a. C'est que 28 divisions, c'est une blague, et le Raj qu'on a 157. Une fois que la Fédération de Russie sera pliée, je veux dire, on la défonce. Le plan, donc vous. On va éditer un petit peu le plan. Le plan, il va être très simple. Ça va être, on fonce comme ceci. Sur Moscou. Et c'est marre. On va essayer de prendre Moscou, les villes un petit peu importantes là quand même. Et puis ben, après on prendra Minsk qui vaut 20 points et puis ben, Leningrad. Une fois qu'on a pris ça, je veux dire. 50 points pour Moscou. Et on va déployer un petit peu quelques avions aussi. Kharkov, voilà. Oh putain, oui. Ah oui, mais je veux dire, mais là, quand on dit les renforts ont pris cher, c'est pas de la blague. Ah ouais, il manque vraiment du stock, hein. Maintenant, les troupes qui sont ici. 40 jours sur 70. Bon, très bien. L'armée de Gaulle, elle est arrivée à Marseille? Oui. Elle a débarqué à Tunis. Quant à l'autre armée ici qui fout rien, on va lui demander de s'étendre un petit peu. Pour couvrir toute l'Italie. Au cas où les Italiens tenteraient un truc. Je les rusherai au niveau du pot, voilà, comme ceci. Pour le bloquer le nord, et après voilà, ce sera fait. Moteur fusée, ah voilà, on va pouvoir faire plaisir. Est-ce qu'on peut construire maintenant nos missiles? Oui, intercepteur à moteur fusée, c'est magnifique. Et vu qu'on a plein d'usines qui savent, on sait même plus quoi en faire, on va les booster à fond sur l'aviation. On a pas assez de ressources. Ici, on va rechercher quoi? Ben, moteur à réaction. Comme ça, on virera les vieux avions et on construira carrément des avions de chasse à réaction. Robert, on va le promouvoir. Il a aucun trait, de toute façon, on s'en fout, alors on va en faire un maréchal. Je veux dire, hop, maintenant. L'armée de Gaulle. Elle est arrivée. Oui. On va la mettre ici.
On laisse la frontière ici. C'est tout. On va la mettre ici. Parce qu'on va le faire pousser un petit peu vers le nord. Même si on perd un petit peu des territoires aussi au sud, c'est pas trop grave. Je vais bouffer ça. Je mettrai deuxième armée ici en renfort. Mais je vais vraiment bouffer ces deux poches là. Et je me fixe là. Et je remarque que l'épisode a déjà assez duré. On est en janvier 45. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'espère que l'épisode là vous aura plu. N'hésitez pas à faire part de vos remarques, de vos commentaires. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.